le ratafia champenois, comme vous ne l'avez jamais vu. Pour moi, c'est un spiritueux de très très grande qualité et d'exception. C'est une expérience avant tout. C'est un moment de partage. Tout champenois qui arrive sur ce beau vignoble, son premier souvenir, c'est quelques gouttes de champagne dans la bouche. Et je pense que le ratafia, c'était dans la continuité. C'est un produit différent du produit champagne. C'est vraiment un produit complémentaire. Vigneron, restaurateur, distillateur. Pour eux, le ratafia fait partie du patrimoine de la région. La conception de cette liqueur longtemps stigmatisée commence ici, dans ces cuves de la distillerie Goyard. À l'intérieur, des vins de champagne. C'est une réserve qualitative que fait le vignoble champenois. Donc ce sont des vins d'excellente qualité qui sont amenés en distillerie quand l'année suivante s'annonce bien. Ça veut dire que les maisons de champagne n'ont pas forcément besoin d'utiliser ces vins. Donc les distilleries les récupèrent pour en faire des eaux de vie de vin. Les eaux de vie issues du vin champenois sont essentielles à l'élaboration du ratafia. Elles sont obtenues grâce à cette colonne à distiller. Les vins entrent en pied de la colonne et au fur et à mesure de la distillation à la vapeur sur ces colonnes en cuivre. Colonne en cuivre, c'est intéressant puisque ça donne des eaux de vie aromatiques. Les eaux de vie, quand elles arrivent en haut de la colonne, elles sont d'une qualité et d'une souplesse exceptionnelles. Cette distillerie fournit près de 90% des producteurs de ratafia en eau de vie. Mélanger cet alcool à du jus de raisin non fermenté, issu des vendanges champenoises, et vous obtenez du ratafia conforme à l'indication géographique. Depuis 2015, ce spiritueux a son IG. Sa conception est dorénavant encadrée. Dans le cahier des charges, il y a le premier bloc qui est le plus important, qui définit l'origine des raisins. Ce sont des raisins des vignes de champagne, des raisins qui servent à la production du champagne, et le jus de raisin est prélevé pendant le cycle de production du champagne. C'est-à-dire qu'on a toute la garantie de travail de la vigne, la cueillette manuelle, le tri qualitatif, des baies qui arrivent sur le pressoir avec aucune altération. Claude Giraud et d'autres acteurs du champagne comme Nicolas Feuillat se sont rassemblés au sein de l'ODG, organisme de défense et de gestion. Leur but, donner au ratafia ses lettres de noblesse. Bon, maintenant, il faut que la champagne soit conquise et tout le monde se rende compte de la perle qu'on a dans les mains. Je suis d'accord avec toi et surtout du potentiel qu'on a. Un potentiel chiffré à 20 millions de bouteilles par an. La champagne n'en produit qu'un million. Guillaume, le chef de cave de Nicolas Feuillat, travaille sur un nouveau ratafia. Il souhaite sublimer cette liqueur par un assemblage fruité et frais. Aujourd'hui, c'est la recherche de qualité qui prime. On a une quête de faire plus fin, de faire plus délicat, de faire plus aromatique. En tout cas, d'avoir une expression qui puisse permettre au consommateur final de vivre des expériences de plus en plus diversifiées. Des expériences diversifiées et pourquoi pas tout un repas au ratafia. C'est ce que défend Arnaud Lallemand. Il n'en propose pas moins d'une cinquantaine dans son restaurant. C'est surprenant. Là, on sent qu'on est un peu plus, on a l'impression qu'on est un peu plus vieux, un peu plus ambré, donc plus de maturité. Grâce à des dégustations régulières, le chef étoilé trouve de nouveaux accords de l'entrée au dessert. Le ratafia, c'est pas juste un vin comme ça qu'on boit, où tous sont pareils. C'est pas du tout le cas. Là, on en a quatre qui sont tous très différents. Donc, c'est le fait de découvrir les différences entre chaque ratafia et qu'on peut vraiment les accorder sur des plats différents les uns des autres. Dans le premier, sur le fruit, si on est en pleine saison de la tomate, il peut très bien se marier avec la tomate parce qu'on va avoir un retour de fruits avec la tomate, avec l'acidité de la tomate. Au mois d'avril, Arnaud Lallemand va recevoir pour la deuxième fois chez lui le printemps du ratafia. Ce spiritueux a besoin d'ambassadeurs. Plus les viticulteurs seront nombreux, plus ce produit sera visible et reconnu. La maison Vranken, elle, a commercialisé son ratafia il y a plus de 30 ans. Ces dernières années,
des changements se sont bel et bien opérés. C'était assez français comme commercialisation. Aujourd'hui, on traverse la planète avec le ratafia. On va au Japon, on va dans de nombreux pays. Et même nous, pour nos ventes au niveau européen, on dépasse les frontières de la France, on va en Belgique, on va en Allemagne. Donc ça commence à percer les frontières. Un ratafia champenois renommé à l'international, tous en rêve. L'ascension de ce jus de raisin préservé par l'alcool ne fait que commencer.